Aboni boni matata eruka bandeko mwana mama. Aboni boni matata eruka bandeko mwana mama. Tongo etani mokolo wa makambo maniga. Butwe yini mokolo wa bandoki mwana mama e. Amara yoti sango ya polo polo mama. Polo panga kina ninga na liso atikini sona mawa ya kongo e. Miso toko suka wa bibania e. Mabele ya bana mboka ye. Batuna e. Tata polo mwana mama. Tata polo batuna. Tata polo mwana mama. Tata polo batuna. Tata polo mwana mama. Tata polo batuna. Tata polo mwana mama. Tata polo. Salut à toi mon ami. Salut. Nous avons vidé la vie à coups de questions. Qui on est? Où on est? Où va-t-on? À toutes ces questions, je donne une réponse. Mais pour l'accepter, il faut avoir le courage. Je dirais même le culot d'exister. Au fond, si vraiment vide il y a, pourquoi ne pas en profiter pour y mettre quelque chose? Pourquoi ne pas l'utiliser à exister? L'homme est trop beau pour qu'on le néglige. Cependant, ne vous abusez pas. Je ne parlerai jamais du petit collectionneur de plaisir. Ni du petit vendeur de situation, ni du petit menteur de vin, ni du caissier d'opinion, ni du brouteur de position, ni de l'émondeur de slogan, ni de la petite machine à calculer les races. Je ne parlerai jamais du truand esthétique, ni du cochon idéologique, ni du délinquant culturel, ni du drogué linguistique, ni du débauché tiers-mondisant. Je ne parlerai pas du candidat au néant. Je parle du volontaire. Volontaire parce qu'en fin de compte, la mention d'humain est tellement crasseuse qu'elle n'appartient qu'au volontaire. Volontaire à la condition d'homme. Qui veut ? Mais surtout, qui dit mieux? Aboni boni manzanza et luka bandeko. Longo et ani mokolo. Les révolutionnaires ont échoué. Et leur échec est plus cuisant que celui des saligots en titre. Les bourgeois ont échoué comme des hommes. Les révolutionnaires ont échoué comme des dieux. Poète, dira-t-on. Mais le poète, qu'a-t-il de plus que les autres, sinon son endettement? Il se nomme à traverser la vie là où la viande est ferme. Il se désigne à épouser les choses dans leur nom. Bref, il parle et respire à titre d'exemple. En cela, il est différent de l'homme qui s'improvise en improvisant l'univers, en posant l'acte d'exister. En posant l'acte d'exister, il échappe délicieusement au terrorisme de respirer. Il crée ce corps langage où son âme vante. Ce monde langage, pourquoi pas? Il arrive à épingler l'univers au fond de son émotion. Et quand le vulgaire déclare, on ne vu qu'une seule fois, il éclate impuissant. Maintenant, qui est poète et qui ne l'est pas? Je crois humblement que tout homme est poète, qui accepte de traverser la vie par cet endroit qu'on nomme mention d'homme. L'écrivain de la poésie devient donc un traître. Traître au sublime,
traître au naturel, traître à la beauté. Mais l'acte de respirer, l'acte de respirer n'est sûrement pas une quelconque forme d'écriture. C'est, on dirait, la douleur d'une âme qui vient d'accoucher des dimensions exactes de l'univers. J'oblige les choses à exister et elles obéissent délicieusement. Vous croyez peut-être que c'est une chose facile de régler une fois pour toutes les différents hors univers, de résoudre l'équation matière-inanité. Maintenant, est-ce que cela me donne ce qu'on appelle du mérite? Je ne crois pas. J'ai simplement eu le culot d'exister. Pourquoi voulez-vous que ça s'appelle mérite? Entêtement? Non. Non. L'entêtement n'est pas un mérite. Et je m'entête à nommer la vie. Je m'entête à trouer la vie. Et le deuxième, c'est le poème numéro 5. Merci.